Colette Fantôme. Troisième album, nouvelle aventure, celle de l'émancipation, qu'on appelle aussi autoproduction. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Dans ce disque, je m'inspire d'une Colette qui traîne dans les branches de mon arbre généalogique, un peu comme un fantôme qui entre les couloirs de mon corps. Une sorte d'histoire de liberté impossible à prendre, comme une chenille qui crève son cocon et qui parvient jamais à voler. Colette, c'est cette femme qui est entrée au couvent comme on se met aux abris, en cachant sous sa cornette ses cheveux et son amour pour une autre femme. Et comme pour échapper à quelque chose, est morte dans un accident de voiture aux côtés de son amie, emportant son secret avec elle. Je vous propose de participer à la création de ce disque en choisissant une contribution. Vous croyez aux histoires de fantômes, vous ? Moi, oui.